Bonjour à vous les Vierges et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser bien sûr le Merry Christmas, tout à fait de circonstance. C'est un jeu que j'ai créé avec Claire Duval. Vous pouvez le retrouver sur mon site, sur la boutique de mon site, dont je vous mets la référence en barre d'infos. Et on va utiliser aussi Message de ton cœur. C'est un jeu que, pareil, j'ai créé avec Charlotte Danes et qui, lui, est édité aux éditions Contredire. Je vous mets, pareil, sa référence juste en dessous en barre d'infos. Pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte de Message de ton cœur. Alors, pour vous, pour ce mois-ci... On en a une qui essayait de sauter. Allez, on va la prendre. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Voilà, c'est une carte qui vous montre que dans les moments de doute, quand vous vous posez la question « Est-ce que je suis sur la bonne route ? Est-ce que j'ai fait les bons choix ?» ce n'est pas le genre de question en fait qui vous apportera quelque chose et qui vous permettra d'avancer. Parce que les choix que vous les avez faits parce qu'ils étaient pertinents, judicieux au moment où vous les avez faits. Quand vous regardez en arrière, vous vous dites peut-être, bah oui, j'aurais peut-être fait autrement, j'aurais fait les choses différemment. Mais à ce moment-là, vous n'aviez peut-être pas la même énergie, vous n'aviez peut-être pas le même recul, vous n'aviez peut-être pas les mêmes envies qu'au moment où vous avez fait ces choix-là. Donc les choix que vous avez faits, la façon dont vous êtes comporté à certains moments, sont le reflet de ce que vous pouviez donner, de ce que vous pouviez faire, et des envies aussi que vous aviez à ce moment-là. Donc il ne faut pas les regretter. Il ne faut pas se dire que vous vous êtes trompé. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait au moment où vous étiez dans cette situation-là. Voilà, c'est ce que vous pouviez faire et c'est le choix judicieux que vous avez fait avec vos ressources au moment où vous étiez dans cette situation. Donc continuez à avancer, ne vous posez pas la question, ce genre de questions, ne regardez pas trop en arrière à ce niveau-là. Continuez à avancer, continuez à faire vos choix en fonction de ce que la vie vous offre au moment où vous avez besoin de les faire. Voilà, gardez le cap, vous êtes sur la bonne route. Alors, on va prendre trois cartes du Merry Christmas. Alors, votre carte du milieu, la carte du cœur, la carte des cadeaux... Et la carte des monts, des montagnes. Alors, ici, le cadeau, la pomme d'amour et le mont blanc. Donc, pour ceux qui l'utilisent dans le normand, vous aurez reconnu le cœur à la place de la pomme d'amour. Et le mont blanc représente bien sûr les montagnes. Voilà. Donc, ici, on a quelque chose qui tourne pour ce mois-ci. Pardon, je fais plein de bruit, je casse tout. Pour ce mois-ci, on a quelque chose qui tourne autour de vos relations. Vos relations amoureuses, vos relations amicales, les relations que vous avez avec les personnes qui vous tiennent à cœur également. Et on voit qu'on a de belles relations qui s'offrent à vous, mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir et travailler avec la carte des montagnes. Il y a peut-être des attentes, des choses que vous souhaitez et qui mettent plus de temps aussi à arriver. Des relations qui au début peut-être vous semblaient simples et puis qui maintenant demandent beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail. Mais ce sont des relations qui vous offrent de belles qui vous offrent de belles choses en fait. Donc ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, de continuer à faire des efforts pour entretenir vos relations amoureuses, amicales, avec les membres de votre famille, ceux qui vous tiennent à cœur en fait dans votre quotidien. Même quand les choses ne sont pas fluides, parce que bien sûr, la vie vous met des petits obstacles. Mais rappelez-vous toujours que derrière ces obstacles, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et que vous avez beaucoup à partager avec ceux qui vous sont proches. Alors évidemment, on a la carte des cadeaux, évidemment, on est en décembre, évidemment, forcément, on pense aux cadeaux qu'on va s'offrir les uns les autres. Donc peut-être c'est intéressant pour vous
de vous pencher sur cette question. Qu'est-ce que vous voulez offrir aux personnes qui vous tiennent à cœur? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, leur partager? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Est-ce que c'est quelque chose, une expérience par exemple? Choisir le cadeau juste, ça va vous faire en fait énormément de bien pour ce mois-ci de vous pencher sur ces questions-là. De vous pencher sur cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez offrir aux personnes? Alors, j'ai même envie d'élargir parce que je pense aux personnes, mais ça peut être aussi des animaux domestiques qui partagent notre vie et qui sont partie intégrante de votre famille. Qu'est-ce que vous souhaitez offrir en fait à ce cercle de personnes élargies, on va dire, qui est autour de vous pour leur bien-être, pour le bien-être de votre relation avec eux et pour entretenir de beaux liens, même si des fois c'est plus difficile et ça demande beaucoup plus d'énergie. Voilà, ça vaut le coup de vous creuser un petit peu la tête pour faire les cadeaux justes, par exemple. Voilà, c'est important pour ce mois-ci, peut-être, eh bien de montrer à quel point les gens vous tiennent à cœur à travers ce que vous pourriez leur offrir. Pas forcément que du matériel, hein. Ça peut être comme je le disais une expérience, ça peut être quelque chose de très personnel aussi. Donc posez-vous ces questions-là, même si ça vous met un peu en difficulté et si vous avez du mal à trouver, continuez à chercher. En tout cas, il y a vraiment de belles relations pour ce mois-ci et de beaux partages qui vont se faire pour vous. Voilà les Vierges, je vous souhaite un très très bon mois et à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.